Salut, 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 salut. Et Allah. Et Allah. Le nom de ce couturier a joué sur nous. Hein. Le nom. Le nom de ce couturier. Parce que c'est ce qui fait que le Guinéen est en retard. C'est ce qui fait que le Guinéen est en retard. C'est ce qui fait que le Guinéen, on prend le Guinéen pour une personne qui est dans la brousse, pour quelqu'un qui ne connaît rien. Partagez ce live, on va démasquer l'audio d'Alpha Condé qui circule sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle deep fake. C'est le deep fake. L'audio d'Alpha Condé qui circule sur les réseaux sociaux. C'est un deep fake. Je vais vous prouver par A plus B dans cette vidéo que ce que vous êtes en train d'écouter là, ce n'est pas Alpha Condé. Qui vous êtes en train d'écouter là, c'est la voix d'Alpha Condé, copié, fait, oui, mais ce n'est pas Alpha Condé. On veut Alpha Condé en vidéo. Même les vidéos, on trafique les vidéos. Même les vidéos, on trafique les vidéos. Même les vidéos, on les trafique, on les met en ralenti. La dernière fois, j'avais posté une voix qui parlait ici. C'est moi-même qui a fait cela. C'est moi-même qui a fait cela, une voix qui parlait. Les deepfakes, je vais vous mettre les deepfakes là. Partagez, partagez. Oui, on va vous montrer les RPJ, ce n'est pas Alpha Condé qui parle. On veut savoir où est Alpha Condé. On veut savoir que Doumbouya montre où est Alpha Condé. Qu'une télévision nationale se déplace pour aller filmer Alpha Condé. Là où il est, qu'on nous envoie. Qu'on nous envoie cette vidéo d'Alpha Condé, ouais, pour qu'on puisse savoir où il est. Alpha Condé est où? Alpha Condé est où? C'est ce qu'on appelle les deepfakes. Les deepfakes là, les gens l'utilisent comment? Les gens l'utilisent. Pendant même les élections, c'est répandu pendant les élections, c'est répandu. L'audio, ce n'est pas vrai. Mon frère, l'audio là, ce n'est pas vrai. Reste ici, je vais te prouver ça. L'audio, ce n'est pas vrai. Alpha Condé est où? Alpha Condé est où? Tout le monde, non. Non. Et là, bah, guide fait pitié. Non, la guide fait pitié. Ma guinée fait pitié. Mais ma Guinée fait pitié. Hein. Ils veulent qu'on se concentre sur ça. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire? Ils veulent nous faire croire que le coup d'État, c'est un faux coup d'État. Est-ce que vous comprenez? La ilaha illallah, mes frères, restons concentrés. Restons concentrés. Restons concentrés. Je vais vous prouver par A plus B que cet audio-là, c'est un faux. C'est ce qu'on appelle les deepfakes. Aujourd'hui, l'avancement de la nouvelle technologie, même toi qui me regardes là, je peux prendre ta voix, je prends ta voix, je crie un texte, j'écris ce texte, je monte ta voix sur ce texte, oui, je monte ta voix sur ce texte-là. Et le texte que j'ai écrit, c'est ta voix qui va répéter ce texte-là. Maintenant, on va entendre ta voix, on va dire que ah, c'est toi qui parles. Mais alors que ce n'est pas toi qui as prononcé les mots. Je vous montre comment ça marche, les deepfakes. Je vous montre comment ça marche. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce que Alpha Condé, l'audio que vous avez écouté là, ce que vous avez écouté, non mais non, ce que vous avez écouté, vous entendez dire, parler Alpha Condé, mais c'est un texte qui a été écrit. Ils ont l'argent actuellement. Ils partent financer les gens. Et faut pas oublier que les gens qui sont avec eux là, beaucoup viennent de l'Europe. Des États-Unis, du Canada, ils connaissent tout comment ça fonctionne, les deepfakes, la manipulation. Est-ce que vous comprenez? C'est faux, ce n'est pas un vrai audio, c'est de la deepfake. Ils ont écrit un texte, ils ont pris la voix d'Alpha Condé, ils ont copié la voix d'Alpha Condé, et là, le texte que eux ils ont écrit, ça a répété la voix d'Alpha Condé, a répété exact. On va démasquer ça, on va démasquer ça. Je vous montre comment ça marche les deepfakes. Écoutez bien, hein? Je vous montre comment ça marche les deepfakes.
Attendez. Deep Voice. Qu'est-ce que c'est Deep Voice? C'est le nom de la... Lui-même, il a étudié, il a étudié, ceux qui ont fait ça, ils ont utilisé soit le Deep Voice des Chinois, soit le Deep Fake des Américains, du Canada, les États-Unis. Parce qu'il y a le Deep Voice, ça ne dépasse pas les 3 minutes. Si, c'est-à-dire, ça ne va pas aller au-delà des 3 minutes. L'audio que Alpha, l'audio qui est sorti, c'est un audio de 3 minutes. Sûrement, ils ont utilisé le Deep Voice des Chinois. Des Chinois. Je vous montre comment ça marche. Plus loin, puisque voici Deep Voice. Deep Voice? Qu'est-ce que c'est Deep Voice? C'est le nom de l'algorithme d'intelligence artificielle qu'a mis en place la société Baidu. Le numéro 1 chinois des internets vient de mettre au point un logiciel capable de cloner des voix humaines. Alors, comment ça marche? Moi, je trouve ça très inquiétant, déjà. Bah, et vous avez bien raison de vous inquiéter. Je vous explique. À partir d'un échantillon de voix très bref, le logiciel parvient à reproduire les intonations, les accents et les particularités de cette voix. À partir de là, et c'est encore plus flippant, l'algorithme est capable de générer de nouvelles paroles, celles que vous voulez, comme si la personne enregistrée à l'origine... Je vais faire attention à ce que je dis. Vous faites bien. J'ai pas envie de me faire cloner la voix. Je suis plus inquiet de changer de voix. Mais on change tout cela. Alors, c'est flippant, mais c'est pas vraiment nouveau, puisqu'en 2017, la start-up canadienne Lyrebird avait pu, grâce à son logiciel, reproduire à la perfection la voix de Donald Trump. Écoutez, c'est bluffant. In addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea. Alors, Donald Trump, il y a ces trucs. Il y a la réverbe, mais c'est quand même très étonnant. Imaginez si vous voulez faire croire à un enregistrement clandestin, ça passe très bien. C'est exactement la même voix. Donald Trump n'a jamais prononcé cette phrase. C'est le logiciel qui l'a généré. Seulement, à l'époque, pour obtenir ce résultat, le processus était plus laborieux et l'algorithme canadien avait besoin d'un échantillon de voix de 30 minutes pour cloner une voix. Alors qu'aujourd'hui, le logiciel chinois dont je vous parle clone les voix en 3,7 secondes seulement. Putain, je ne dis plus un mot, c'est terminé. Moi non plus, je vais me mettre à parler comme ça. Bon, mais alors quel est l'intérêt? Et dans son communiqué, Baidu a expliqué que cette avancée va permettre de personnaliser les interfaces humains-machines, mais beaucoup s'en inquiètent et pensent que le clonage de voix, c'est surtout une grande porte ouverte à la falsification de faux documents et la création de déclarations. Et dans une époque qui baigne dans la fake news, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Rendez-vous compte, en clonant votre voix, Daphné, je peux vous faire dire n'importe quoi. J'ai d'ailleurs testé, écoutez. Vous dormez dans quelle tenue, Eric? Le gars a cloné même la voix de sa collègue. Le gars a cloné même la voix de sa collègue. Maintenant, je vais aller plus loin pour vous. Plus loin. Je vais vous montrer un document fait par France 24. France 24. Et comment ce deepfake, ça se fait. Un gars qui a cloné la voix de Barack Obama. C'est-à-dire le gars en train de parler, sa voix normale, mais on entend la voix de Barack Obama. Je vous montre ça tout de suite. C'est ce qu'on appelle les deepfakes. Mais bon, non, il prend les Guinéens seulement pour des maboules. Regardez. Dans votre voix, Daphné, je peux vous faire dire n'importe quoi. J'ai d'ailleurs testé. Attendez. Fausse déclaration. Et dans une époque qui baigne dans la fake news, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors, rendez-vous compte, en clonant votre voix, Daphné, je peux vous faire dire n'importe quoi. J'ai d'ailleurs testé. Écoutez. Vous dormez dans quelle tenue, Eric Dupont? Le gars a cloné la voix de Daphné, là, sur ça, sur le plateau. Maintenant, je veux vous montrer. Ils sont partis. Dépenser de l'argent, beaucoup d'argent, pour nous mélanger. Il faut que vous partagez le live. Peuple de Guinée, il faut que vous vous réveillez. On ne peut pas être là assis, que les gens nous manipulent. Non, ça ne marchera pas. Ils sont partis dépenser beaucoup d'argent pour nous mélanger l'esprit, pour qu'ils gagnent en temps. Je vais vous montrer ce qu'eux, ils ont fait, le deepfake qu'ils ont fait. Voilà, c'est France 24 qui démontre ça. Regardez bien, écoutez bien, ouvrez bien les esprits. Écoutez. Moi-même, je peux faire ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Pouvons-nous encore nous fier à notre voix? Les deepfakes audio donnent le ton, des sons falsifiés qui pourraient perturber le scrutin américain.
Reportages et débriefs, c'est à suivre. Comment protéger les surfaces contre le Covid? Une start-up toulousaine a peut-être trouvé une solution. Un bouclier antivirus. Partagé dans tous les groupes. Ils sont en train de nous mélanger. Manipuler, partager. Mais d'abord, en pleine pandémie et à moins de 3 semaines de l'élection présidentielle américaine, les deepfakes audio, les reproductions factices de voix, explosent sur le web. Elles permettent de faire dire littéralement n'importe quoi à n'importe qui. Mais comment s'informer lorsqu'on ne peut plus croire ce qu'on entend ou ce qu'on voit? Nos correspondants en Californie ont tenté de trouver une réponse. President Trump is a total and complete dipshit. On les appelle les deepfakes. Ces reproductions factices de voix explosent sur Internet. Someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Internet. S'il y a encore un an, il fallait plusieurs heures d'enregistrement audio pour cloner une voix. Aujourd'hui, les algorithmes. Je vous retourne, hein. Je vous retourne. Vous voyez le gars qui parle là. Vous voyez le gars qui parle, hein. C'est lui. C'est comme ça qu'ils ont fait pour Alpha Condé. Ils ont écrit un test. Eux-mêmes, ils ont copié la voix d'Alpha Condé. Mais c'est le texte qui a été écrit par eux. Donc ce gars qui est à côté, il va lire un texte, là. Il va parler avec sa voix normale, mais c'est la voix de Barack Obama qu'on entend. C'est la voix de Barack Obama qu'on entend. Écoutez, hein. Like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. S'il y a encore un an, il fallait plusieurs heures d'enregistrement audio pour cloner une voix. Aujourd'hui, les algorithmes d'intelligence artificielle imitent n'importe quelle voix en seulement quelques minutes. En se basant sur cet enregistrement, on est capable de créer une copie artificielle de leur voix. Ça veut dire qu'ensuite, on peut écrire n'importe quel texte, même un texte qui n'est pas dans l'enregistrement, et le logiciel va le convertir en audio, comme si c'était eux qui l'avaient prononcé. Cette technologie basée sur l'apprentissage automatique permet aussi de ressusciter des voix. Of the African people of South Africa. Comme ici, celle de Nelson Mandela, qui lit son autobiographie. Running rather literally means pulling the branch of a tree, but its colloquial meaning more accurately would be troublemaker. C'est très intéressant. Est-ce que vous avez compris la chose? Est-ce que vous avez compris? Ils ont pris. Voilà, vous voyez Nelson Mandela. Nelson Mandela, il est décédé, il est mort depuis, hein. Mais le deepfake, ils ont pris sa biographie, son livre écrit que les gens ont fait. Ils ont pris la voix de Nelson Mandela qui lisait sa propre biographie étant qu'il est mort. Mais les gamins là, vous pensez que vous êtes les champions antiques là? On va vous démasquer. On va vous démasquer jusqu'au bout. Regardez, je vous retourne, hein. Voilà, je vous retourne. Ce qui n'est pas dans l'enregistrement, et le logiciel va le convertir en audio, comme si c'était eux qui l'avaient prononcé. Cette technologie basée sur l'apprentissage automatique permet aussi de ressusciter des voix. Of the African people of South Africa. Comme ici, celle de Nelson Mandela, qui lit son autobiographie. Running rather literally means pulling the branch of a tree, but its colloquial meaning more accurately would be troublemaker. C'est très intéressant parce qu'on ne demande pas à l'algorithme de reproduire une partie spécifique du discours de quelqu'un. Mais l'algorithme apprend à reproduire les choses importantes. À la fin, l'algorithme arrive à reproduire les accents, les discours, la cadence et même à reproduire les intonations un peu étranges propres à chacun. C'est fort. Mais ce qui prolifère sur Internet, ce sont les cheap fakes, des montages rudimentaires qui paraissent pourtant bien réels. Voici une vraie vidéo de Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants. Et puis, il y a eu une presse conférence dans le Rose Garden avec tous ces sortes de visuels qui, évidemment, étaient planifiés longtemps avant. Et ici, le montage posté sur Facebook. Et puis, il y a eu une presse conférence dans le Rose Garden avec tous ces sortes de visuels qui,
obviously were planned long before. Je vous explique la partie là. Comment on pirate les vidéos? Comment on manipule? Quand ils vont nous faire sortir une vidéo ici, on viendra démasquer ça aussi. Si c'est une bonne vidéo, si c'est une réelle vidéo, si c'est une fake vidéo, on viendra vous démontrer. Parce que ici, la dame, elle parle normalement dans une vraie vidéo. Là, elle est en train de parler. Maintenant, ils vont copier, faire une fausse vidéo. C'est comme ça, ils piratent les vidéos. Et là, ils vont ralentir les voix pour donner l'impression comme si la dame avait pris de l'alcool. C'est comme ça, les fake news. Vous êtes mal barrés. Vous êtes mal barrés. Vous pensez que 2020, là, 22, là, c'est 2010. On continue. Je me plais. Il faut aller vous suicider au palais là-bas. Et ici, le la montage manipulation posté sur Facebook. Pas. And then he had a press conference in the Rose Garden with all this sort of visuals that obviously were planned long before. Le son de l'interview a été simplement ralenti pour donner l'impression que la députée est sous l'emprise de l'alcool. Sort of visuals that obviously were planned long before. Il est désormais possible de modifier n'importe quelle conférence de presse ou discours politique. Un réalisme qui fait craindre le pire en cette période électorale. Joe Biden is a helpless puppet of the radical left. These kinds of manipulated ces vidéos manipulées ou cheap fake paraissent intuitivement et instinctivement plus plausibles, même si elles ne le sont pas. C'est un risque énorme pour l'électorat qui doit prendre des décisions grâce à des informations. Ça reste à faire, parce que pourquoi? Pendant les élections, vous allez entendre beaucoup. Même ça, je peux, moi, je peux faire ça. On peut aller faire vidéo, on peut faire audio. Je peux faire audio aujourd'hui de Doumbouya. On peut faire tout. Nous, on ne fera pas les fake. On ne fera pas les dick fake. On ne fera pas les dick fake contre vous. On ne fera pas les dick fake contre vous. On peut aussi aller faire les dick fake. Mais l'audio d'Alpha Condé, c'est ce travail, comme ce que je vais vous montrer. Hein? Je vais vous montrer. Ceux qui viennent d'arriver, vous allez voir. C'est comme ça que ça... Ils ont fait comme ça. Ils ont écrit un texte. Dans l'enregistrement, vous entendez Alpha Condé dire que les gens de Syria sont avec nous. Il y a deux filles de l'abbé qui sont avec nous. Est-ce que vous entendez? Syria... Lui va être avec Alpha Condé maintenant là. Est-ce que vous croyez à ça? Sidia, lui va être avec Alpha Condé maintenant là. Deux filles de l'abbé là, vous, c'est-à-dire, ils ont pris un texte prononcé d'Alpha et là, ils veulent nous mettre c'est-à-dire, un texte écrit prononcé par la voix d'Alpha, trafiqué, nous mettre dans la balance. C'est comme ça. Le gars est là. En train de faire comme si c'est Barack Obama qui parle. On va vous démasquer, RPGiste. On va vous démasquer. Fake audio, les reproductions fact. Germes et seulement eux. Je vous remets, hein. Mais d'abord, en pleine pandémie et à moins de 3 semaines de l'élection présidentielle américaine, les deepfakes audio, les reproductions factices de voix, explosent sur le web. Elles permettent de faire dire littéralement n'importe quoi à n'importe qui. Mais comment s'informer lorsqu'on ne peut plus croire ce qu'on entend ou ce qu'on voit? Nos correspondants en Californie ont tenté de trouver une réponse. President Trump is a total and complete dipshit. On les appelle les deepfakes. See, I would never say these things. Ces reproductions factices de voix explosent sur Internet. Someone else would. Someone. Voilà. Like Jordan Peele. Hein? This is a dangerous time. Uh-huh. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Internet. S'il y a encore un an, il fallait... Vous voyez, un gars est parti lire le texte. Enregistré, bon, les ingénieurs ont fait, ils ont mis la voix d'Alpha Condé. Comme le gars est en train de parler, mais vous entendez la voix de Barack Obama. Alors que ce n'est pas Barack Obama qui a prononcé ces phrases. Les phrases n'ont pas été prononcées par Barack Obama. Ouais, vous voyez le gars. Factice de
voix explose sur Internet. Someone else would. Regardez. Someone like Jordan Peele. Mm-hmm. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. S'il y a encore un an, il fallait plusieurs heures d'enregistrement audio. Voilà. Tout le monde peut le faire. Les gens qui ont fait l'intégrité dernièrement, tout le monde peut le faire. Il faut qu'on reste concentré sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'organiser les élections. L'essentiel, c'est d'organiser les élections. Vous êtes mal barré parce que vous n'avez pas de candidat. Vous n'avez pas d'option. Vous ne pouvez pas tromper le peuple jusqu'à les endormir. Oui, le malheur aujourd'hui est que la majorité ne savent pas c'est quoi la technologie. Les gens ne connaissent pas. Dès que vous écoutez l'audio là, vous agitez. C'est Alpha qui a fait ça. Et Alpha. Qu'on nous prend des reporters qui vont aller là où il y a Alpha. Alpha va faire une vidéo. Tout le monde va regarder. Ou vidéo Facebook direct. On ne peut pas trafiquer ça. Facebook direct, la live. Parce que Facebook a dépensé des milliards pour sécuriser leur truc. On fait Facebook Live. Pourquoi ne pas montrer Facebook Live? Facebook Live est vite fait que les audios là. Et vous les médias, nuls de Conakry. Vous qui vivez de 500 000, de 200 000, de 300 000. Des médias corrompus jusqu'aux os. Parce qu'il y a Africa Guinée News. Il y a Africa Guinée qui a diffusé la vidéo. Parce que vous êtes de mèche avec eux. Africa Guinée News là. Africa Guinée là. Il y a des médias, il ne faut pas vous fier dessus. Il ne faut pas vous fier d'eux. Ce ne sont pas des médias crédibles. Ce ne sont pas des médias crédibles. Ils nous ont donné des petits jetons. Ils disent il faut balancer audio là. Qui a fait sortir audio? L'audio là, qui a enregistré? Qui? On ne va jamais vous montrer ça. Qui a enregistré l'audio? Qui a enregistré l'audio? On entend la voix de qui derrière, en bas? Qui? Qui a enregistré? On ne va jamais vous dire ça. Hein? Jamais de la vie, on ne vous dira cela. Alors, on veut plus de preuves. On veut plus de preuves. Hein? On veut plus de preuves. C'est tout. Nous, on veut plus de preuves. Hein? Hein? Qu'on parle de celle ou on va barrer celle ou celle. Vous êtes pitoyable, bande de gamins de biberons, ouais, bande de gamins de biberons. Allez-y vous-même, allez-y taper sur YouTube ou sur Google, vous dites clonage de voix, vous tapez clonage de voix, vous allez voir comment ils ont piraté, comment ils ont cloné la voix de Alpha Condé, comment ils ont cloné la voix des Alpha Condé. Allons à l'essentiel, organisez les élections, c'est ce qu'on veut. On veut les élections. On veut le retour à l'ordre constitutionnel. On ne veut pas des futilités là. On s'en fout de ça. Comme ils veulent qu'on parle que de ça, tout ce qu'ils veulent, les gamins là, tout ce qu'ils veulent, ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles. On part se mettre sur autre chose. Inutile. Inutile. Alpha Condé n'est plus notre président. On s'en fout de lui. Fou. Parce que ils n'ont plus, je vous ai dit ça ici, ils n'ont plus de solution. Ils n'ont plus de solution pour mettre, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire dans la marmite, en train de rouler. Je vous ai dit qu'ils n'ont plus de plan contre ces loups. Les derniers cartouches qui restent là, on a entendu les gens de Kiev qui sont sortis pour dire encore affaire de rail, affaire de bagaki, affaire de mamamain, affaire de papapa. Ils n'ont rien contre ces loups, rien du tout. Ils n'ont rien contre ces loups. C'est fini. On sera là à vous démasquer. C'est ce qu'on appelle le deep fake. Le deep fake, c'est quoi? On écrit un texte. Et quand on écrit ce texte, ce qu'on veut que la personne, la voix de la personne dise, on écrit ce texte et les ingénieurs se mettent au travail. Boum! La voix de la personne va dire exactement comment la personne parle et comment même cette personne tâtonne. Quand cette personne est en train de parler. Voilà. C'est ce qu'on appelle le deep fake. Bande de gamins de biberons. Allons à l'essentiel. Allons-y à l'essentiel. Ne partagez pas, ne commentez pas sur cet audio. Oh mon bébé. Ne commentez pas.
Ils veulent qu'on commente dessus. Ils veulent qu'on se base dessus. Ils veulent qu'on perde notre temps dessus. Ils veulent qu'on laisse tout pour nous. C'est-à-dire mettre nos têtes sur des futilités. Bande de gamins qui ne connaissent rien. Vous pensez connaître les antiques plus que qui? Hein? Vous pensez connaître les antiques plus que qui? Hein? Le peuple là? Hein? Poré. Poré. Allez-y. C'est moi qui vous demande, si vous voulez me convaincre, moi, faites une vidéo live de Facebook, Alpha Condé est assis, on parle avec lui. Faites une vidéo live de Facebook avec Alpha Condé. Je vous donne cet indice-là. Même les comptes qui vous écrivent dans Facebook ou quoi, là, vous voulez savoir si c'est un vrai ou quoi, ou une personne. La personne, dès que vous appelez la personne en vidéo, la personne va pas décrocher. La personne a toujours des excuses pour dire que je ne peux pas parler en vidéo, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela, je suis patati patata. La vidéo, ça ne ment pas. La vidéo directe, ça ne ment pas. On ne peut pas monter, on ne peut pas trafiquer en direct. On peut retransmettre, synchroniser, oui, une émission, un événement déjà passé, le mettre en direct. Mais dire sur une vidéo, parler sur une vidéo, dire, aujourd'hui, samedi 19 mars 2022, c'est moi qui vous parle. Ils peuvent faire aussi deep fake sur ça. Mais où est Alpha Condé? On veut ça. Les gens sont trop en retard dans notre pays. Les gens sont trop en retard. C'est ce qui joue sur nous. Les gens sont trop en retard. Vous ne voyez pas ça dans les films? Vous ne voyez pas dans les films les audios, les vidéos trafiquées? Vous ne voyez pas ça dans les films? Hein? Vous ne voyez pas ça? Hein? Bande de gamins, vous pensez connaître la vie plus que qui? Nous, on est partis en Europe avant vous. Pendant que vous, vous êtes en train de galérer pour être militaire. Nous, on est partis en Europe, on a connu c'est quoi les antiques. Dès que quelque chose sort, dès que quelque chose sort, on sent que c'est vrai ou c'est faux. Pourrait, bande de gamins, ouais. Restons tranquilles, allons à l'essentiel. Les gamins ne peuvent pas nous manipuler. Pendant que nous, on est là, pendant que moi, je suis là, on ne va pas nous manipuler. Oubliez cet audio-là, comme la vidéo. On s'en fout de ça.